tennis ce soir, Isabelle Alonso, Jean-François Derek, Valérie Mérès, Arnaud Gillois, Gérard Miller et Claude Sarraute. Isabelle Alonso, tout va bien? Oui, tout va bien. Est-ce que je peux me permettre de lancer un appel? Bien sûr, je vous en prie. Alors, vendredi soir, il y a le concert du mouvement Ni pute ni soumise, dont on avait déjà parlé aux alentours du 8 mars. Et je voudrais dire qu'il faut y aller. C'est important d'exprimer sa solidarité avec les filles des banlieues. C'est donc au Zénith vendredi soir. Et je peux vous dire qui y aura, qui va chanter. Ah oui. C'est éclectique. Marc Lavoine, Nicole Croisi, Lame, Princesse Agnès, Rita Mitsouko, La Tordue, Faudel, Aston Villa, Enrico Macias et Jean-Jacques Goldman. Non, non. Oui. Et ni but ni soumis, c'est toujours au Parc des Princes. Allez, temps de passer à la photo du jour. Cette photo, c'est celle d'Arnaud Clément, éliminé hier à Roland-Garros. Et quand on le voit sur cette photo, on se dit que depuis qu'il est sorti de Nice People, il joue quand même moins bien Gilbert Montagnier. Oh, moi, j'étais pour Costa, alors. Pourquoi? Parce que c'est un Espagnol. Et alors? Ouais, bravo. Ben, parce que j'aime Isabelle. Amélie Mauresmo était donc, elle, aujourd'hui, notre dernière représentante française à Roland-Garros. C'est-à-dire que si on devait organiser un G8 du tennis, la France ferait désormais partie des pays pauvres. Le G8, justement, sommet des pays les plus riches, avait lieu à Évian. Évian, avant, c'était des bébés dans une piscine, puis des vieux dans une piscine. Maintenant, c'est des gros requins dans une piscine. Mais attention, Chirac et Bush se sont réconciliés. D'ailleurs, la preuve, sur cette photo, ils avaient même invité Saddam Hussein. Regardez. On sait toujours pas qui c'est d'ailleurs. Mais il est parti plus tôt que prévu en tout cas, George Bush. Il a laissé. Maintenant c'est le G7. Il rentre en taxi, lui d'ailleurs sûrement, mais ils sont plus que 7. Oui, mais je donne un. J'ai pas vu Chirac juste avant de partir, j'ai essayé de le prévenir. C'est chaque fois qu'on est en haut d'un escalier, la photo est prise en haut d'un escalier, Bush fait la même chose, il vous pousse dans l'escalier. J'ai pas prévenu le président. Ils sont réconciliés, pareil. De toute façon, il semblerait qu'on peut pas rester fâché avec Bush. Pourquoi Chirac, c'est. Bah, parce que c'est quand même lui l'homme le plus puissant de la planète, on peut pas rester fâché avec lui, quoi. Mais quand Chirac même. Est allé faire amende honorable. Mais quand même, il avait dit vive la France avant que Chirac lui fasse un sourire ou quoi que ce soit, non? Il a dit vive la France. Oui, je l'ai entendu. Ah oui? Dans l'interview au Figaro, il n'y avait pas l'accent. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, quand il est en France, il dit vive la France, et puis quand il est aux États-Unis, il dit c'est des cons. Fuck the France. Allez, une autre photo, celle de l'opération Train Capital le week-end dernier sur les Champs-Élysées. Des milliers de personnes sont venues regarder les trains. Seuls quelques-uns ont pu monter dedans. L'opération, d'ailleurs, s'est renouvelée aujourd'hui dans toute la capitale et a même été élargie au métro et au bus en plus. Sachez qu'avant les grèves d'aujourd'hui, hier à Angers, 600 personnes ont curieusement manifesté pour soutenir le plan Fillon sur les réformes de retraite avec des slogans tels que « Grévistes, t'es foutu, les bosseurs sont dans la rue, halte à la paralysie de la France » ou encore « La France au travail, Raffarin Fillon, tenez bon ». Ça, c'est quand même curieux comme phénomène. Des manifestants qui manifestent contre les manifestations, surtout un lundi après-midi, hein, pendant que les grévistes eux-mêmes, eux, travaillent. Mmh. Ça fait deux jours de manif au lieu d'un. C'est quand même très con, finalement. À mon avis... Si c'est lundi, ça doit être une manif de coiffeur, hein, c'est sûr. Peut-être. Une autre photo, celle de Luc Ferry, reçue à Matignon ce week-end par Jean-Pierre Raffarin. C'était à la veille de cette nouvelle grève des enseignants. Et sur cette photo, regardez, on voit Luc Ferry bomber le torse pour montrer qu'il assume totalement son bide dans l'éducation nationale. Quelque chose de tauromachique dans la pose de Luc Ferry et quelque chose d'un peu bovin dans la pose de Raffarin, non? C'est pas complètement faux, il est en train de lui prendre les oreilles et à mon avis, il a déjà dû couper la queue, là. Direction Toulouse, maintenant, avec la publication hier dans le Figaro, vous savez, de la fameuse lettre que l'assassin Patrice Allègre a envoyée à Carl Zéro. Et vu, moi je l'ai lu, hein, vu le nombre de fautes qu'il y a dans la lettre, il s'est trompé d'animateur Allègre. Il aurait mieux fait de l'envoyer à Bernard Pivot, sa lettre. C'est terrible le nombre de fautes, non? Et évidemment, ce qui est terrible, c'est les déclarations et les révélations faites par cette lettre. Claude, ça, tu peux imaginer. Mais imagine Carl Zéro quand il a reçu cette lettre.
Il devait être fou de joie. Ah oui. Ah, c'est la plus belle chose qui lui est arrivée dans sa carrière. Et un peu de sport avec la victoire du Paris Saint-Germain contre Auxerre le week-end dernier. On n'a pas parlé hier à cause du tennis. Je dis la victoire du Paris Saint-Germain, c'est une blague. Hein, car il s'agissait évidemment de la victoire d'Auxerre en finale de la Coupe de France avec deux drames à la clé. Les meilleurs joueurs d'Auxerre qui, évidemment, risquent de partir jouer à l'étranger suite à ces victoires. Et l'autre drame, c'est que ceux du PSG risquent de rester. Autre événement sportif dont on aurait dû parler hier, mais on va le faire ce soir, c'est la Formule 1 le week-end dernier. C'était le Grand Prix de Monaco et la victoire du Colombien Juan Pablo Montoya devant la famille princière. Regardez cette photo, on aperçoit derrière Schumacher et Montoya le prince Rainier, le prince Albert et même un petit bout de Caroline aussi. On ne voit pas Stéphanie parce qu'elle devait déjà être au paddock. Depuis la semaine dernière, sur le site internet de la ville de Paris, vous pouvez consulter la carte du bruit. C'est très pratique, la carte du bruit, car grâce à elle, vous pourrez connaître quartier par quartier. C'est à Paris, mais ce sera bientôt dans d'autres grandes villes de France et même d'Europe. On peut connaître rue par rue, quartier par quartier, et même façade par façade, la quantité moyenne de décibels émise pendant une journée, entre 6h du matin et 22h. Dan Bollander est contre la nuisance sonore urbaine. Il a testé pour nous transférer le bruit des villes à la campagne. Regardez cette caméra cachée par Julien Héron. Ici Dan Bollander, j'ai testé envoyer le bruit de Paris à la campagne. Bonjour monsieur. Oui, est-ce que nous installons un extracteur de bruit? Vous êtes au courant? Non, pas du tout. C'est par rapport à la pollution sonore des grandes villes. Vous voyez, c'est cette machine qui est un extracteur de bruit urbain. Vous voyez, donc nous récupérons du bruit à Paris, d'accord? C'est envoyé par satellite. Et c'est récupéré ici par l'extracteur de bruit urbain. Ouais, ça fait qu'ici, quoi, on sera emmerdé par le bruit aussi, quoi. Non, en fait, c'est pour répartir un peu le bruit. Oui, on est tranquille, bien comme il faut, et puis parce que Paris, c'est fort bruyant, et ben on met ça dans les campagnes. Voilà ce que vous allez entendre. Ça va pas, non? Vous allez pas, vous avez vraiment pas bien là-dedans, vous. Hein. Vous voyez pas ce qu'on va avoir comme bruit par ici? Ah bah attendez, c'est le ministère de l'Environnement qui l'a décidé. Non. J'ai dit, quand on met la musique trop fort, on se fait respecter par les voisins, et puis là, faut que ça soit accepté que sans qu'on dise rien. Alors, on va vous installer l'extracteur. Non, vous ne le mettez pas là. Hein. Si, c'est prévu de l'installer ici, monsieur. Vous mettez dans le fond là-bas, si vous voulez, pas par ici. Hein. Ça va tourner jour et nuit, ça? Non, alors, ça va être la nuit à 3h du matin. Ah oui, merci. Vous virez votre bordel. Nous avons trop de bruit à Paris, monsieur. Faut nous comprendre. Non. Ben, nous, les Parisiens... J'emmerde les Parisiens et j'en ai rien à foutre des Parisiens. Ça fait 57 ans que j'habite ici, on m'a jamais donné un centime, les Parisiens. Hein mais oui, quand je vais à Paris, je m'emmerde. Mais monsieur, c'est vous êtes... Allez hop, tout le monde à la campagne. On sera bien mieux qu'à Paris. Vous savez qu'il y a énormément de bruit à Paris, hein? Oui. D'accord. Alors ici, c'est plutôt... Sauf ici, c'est calme. Ici, c'est calme. Voilà. Alors l'idée, c'est de répartir les nuisances sonores. Nous capturons du bruit à Paris. C'est envoyé par satellite et c'est récupéré ici par l'extracteur de bruit urbain. Tenez, on vous fait écouter ce que ça va donner. Trois fois par jour. C'est la folie, ça. Attendez, nous, à Paris, c'est toute la journée. Hein. Ah oui, mais ça, Paris, c'est votre problème. Hein. Non, mais grâce à vous, madame, il y aura moins de bruit à Paris, vous voyez. J'ai habité 15 ans à Paris. J'ai quitté Paris, justement, pour être au calme. Et justement, vous êtes alors habituée. Je vais pas prendre le bruit de Paris, moi. Viens voir, Pierrette. Ils sont en train de mettre un extracteur de bruit. C'est-à-dire que le bruit qu'il y a sur Paris, pour qu'il y en ait moins, ils le distribuent sur les campagnes. On n'est pas des animaux. Non, non, madame. Des animaux, des chiens, on les traite mieux que nous. Les personnes qui ont quitté Paris, ce qui est mon cas, qui ont payé très cher un terrain pour faire construire, pour être au calme, zen. Oui. Elle a tout compris, madame. On n'en est pas là, je vous rassure. Pour l'instant, on a une carte des bruits des grandes villes. D'ailleurs, c'est une décision européenne. Bientôt, cette carte sera obligatoire dans toutes les villes de plus de 250 000 habitants. On devra savoir combien il y a de décibels dans chaque rue. Encore que cette carte du bruit ne fasse pas plaisir à tout le monde. La preuve, on va accueillir le président de l'association SOS Bruit de Paris, M. Thierry Ottaviani. Bonsoir.
j'ai appris que cette carte avait été lancée par la mairie de Paris après avoir donc mesuré, grâce à des sonomètres, hein, c'est bien ça, dans différents points de la capitale, enfin même dans chaque arrondissement. Je pensais que ça allait vous faire plaisir, à vous, une association qui s'appelle SOS Bruit. Alors, il faut savoir que beaucoup de bruits n'étaient pas modélisables. Par exemple, les bruits qui sont liés au klaxon et qui sont une gêne, sont pas modélisables. Ah, les klaxons, ça rentre pas en ligne? Non, ça rentre pas. Ah, merde. Les bruits qui sont liés... Les mobilettes sans pot d'échappement? Non plus. Ah oui. Ah bah elle est nulle, cette carte, alors. Ensuite, elle n'est pas complète non plus parce qu'ils n'ont pas pu prendre en compte les bruits qui étaient liés aux activités commerciales. Alors, si on regarde bien la carte, on se rend compte qu'il y a des rues piétonnes, donc où il y a un débit qui est assez faible, donc ils sont marqués comme étant très calmes, alors ce n'est pas le cas. Ah oui. Il faut savoir aussi, par exemple, que les bruits qui sont liés au métro et RER n'ont pas été pris en compte. Alors, si on regarde bien la cartographie du bruit, par exemple... Ah, c'est-à-dire qu'un métro qui fait vibrer un appartement, par exemple, ça ne rentre pas dans la carte routière non, du bruit? Non. Bah, alors, elle est nulle, cette carte. Non, mais ils vont faire une carte des vibrations du métro, c'est tout à fait différent. En tout cas, il ne faut pas la présenter comme telle, comme étant une cartographie complète, comme on a pu lire dans la presse, où on a pu voir que... Claude, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense rien du tout, parce qu'en dehors du marteau-piqueur, quand il y en a en bas de chez moi, j'adore le bruit en ville. J'adore ça. Vous êtes peut-être la seule. C'est vrai, oui. Non, pas sûrement. Quand j'ai commencé à avoir des bébés, des nouveau-nés, je mettais des boules qui est pour ne pas les entendre hurler la nuit. Et puis, dès qu'ils ont eu... Vous mettez des boules pour pas entendre ses enfants. Ouais. Mais vous savez comment on reconnaît les enfants de Claude? Ils ont tous le nez épaté à force de tomber du berceau sans qu'ils les entendent. Et alors? Mais non, mais attends, je travaillais très tôt le matin, je pouvais pas en même temps. Il y avait une jeune fille que j'avais louée pour ça. Enfin, que j'avais louée. Je l'ai engagée pour ça, putain de bordel. Mais c'est plutôt bien, je lui ai donné un travail, etc. Moi, je ne pouvais pas être à la cave et au grenier. Ce que je veux dire, c'est que le jour où enfin le dernier est sorti d'affaires, j'ai enlevé ses boules de pièces, j'ai revécu, il y avait le bruit de la rue, le bruit du quai, il y avait le bruit qu'il y a en bas à la brasserie, les types sous qui chantent la nuit, j'adore ça. Non, ça dépend des gens. C'est la musique. Mais c'est pas un cas pour vous, Claude Sarotte. Seulement, bon, il y a des gens qui se plaignent du bruit. Qu'est-ce que vous réclamez, vous, alors? On réclame carte. D'abord qu'au niveau de l'information, cette carte du bruit soit présentée comme telle, donc une carte du bruit routier. Donc inefficace. Routier moyen. Bon. Et ensuite, que l'aide qui consiste à... Donc l'aide pour les fenêtres insonorisées soit complétée, qu'il y ait plus d'informations à ce niveau-là, parce qu'elle existe. Elle a été lancée en 2000. Et donc ça serait une bonne chose justement de s'inspirer de cette carte pour informer les habitants de leurs droits. Il y a quelque chose que dit votre association qui est très intéressant, je trouve, c'est que souvent on dit « Ah là, au-delà de 22h, on n'a plus le droit de faire du bruit ». Vous vous dites « Non, il n'y a pas d'horaire pour lutter contre le bruit. Avant 22h, on a le droit de se plaindre contre le bruit ». Oui, c'est une idée reçue. Il y a beaucoup de gens qui nous téléphonent. Ça, j'ignorais. Pourquoi on dit tapage nocturne? Parce que le tapage nocturne, le jour, on ne voit pas trop ce que c'est. C'est le tapage nocturne, dépend du code pénal. L'interdiction de la loi bruit, qui date de 92, sanctionne les bruits de jour comme de nuit. C'est une nouvelle loi qui date de 92, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le tapage nocturne, nous, on connaît ça depuis qu'on est gamin. Et depuis 92, c'est la loi Ségolène Royal, c'est ça? Qui fait que même un bruit dans la journée, on peut s'en plaindre. C'est interdit. Vous voulez tester les bruits, Arnaud Gidoin? Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai réussi à avoir quelques enregistrements des personnes qui sont ici autour de la table. Donc, j'ai le bruit de Gérard Müller, vous le savez, donc c'est quand même l'aigle de la route. Il vit en scooter, Gérard, et il a un petit problème au pot d'échappement. Et alors, j'ai un petit appareil ici qui mesure. Ah oui? Oui, qui mesure donc le bruit que fait le pot d'échappement. Donc, écoutez un petit peu le bruit du pot d'échappement de Gérard Müller. Je reconnais le scooter de Gérard. Et donc là, on a dépassé quand même les 80 décibels, puisqu'on était à 97 décibels quand même. Alors après, on a Isabelle Alonso, bien sûr, qui prépare toujours des petits plats à son mari, qui est devant la télé, qui regarde le foot, et qui dit « Oh tiens, d'un seul coup, tu regardes une miette !» Et elle nous passe l'aspirateur. C'est vraiment un aspirateur. Là, on est monté à 98. Alors, et puis, bien sûr, il y a Laurent qui part en week-end. Laurent, c'est pareil, il pollue, vous polluez tous, mais Laurent aussi, vous partez en week-end, on le sait, à Biarritz, vous prenez l'avion. L'avion au décollage, ça donne ça, c'est très perturbant. Et Derek, alors? Alors, Jean-François, ce qui est marrant, c'est que... Je veux bien qu'il me réserve une bonne connerie. Non, mais Jean-François, ce qui est marrant, c'est quand il sort une vanne, il pollue aussi, écoutez. Quand Jean-François Derek sort une vanne, ça donne ça avec le public. Ah ben non, tu pollues pas. Oh. Non, je décolle, je décolle. On vous remercie, monsieur Thierry Ottaviani.
Le 29 avril dernier est sorti Villa Jasmin aux éditions Fayard, le livre de Serge Moati dans lequel il nous raconte son enfance passée en Tunisie au Café des Délices. Ah non, je confonds, ça c'est une chanson. Serge Moati, lui, on le connaît pour ses talents de journaliste et ses excellents documentaires politiques, mais c'est aussi un romancier hors pair. Alors pour tester ensemble son livre, Villa Jasmin, accueillons tout de suite son auteur. Il anime, vous le savez, tous les dimanches l'émission Riposte sur France 5. Voici Serge Moati. C'est un roman qui n'en est pas tout à fait un, autant le dire, un roman qui n'est pas romancé. C'est un roman quand même, c'est un roman quand même. C'est-à-dire qu'il y a une part de vrai, évidemment, puisque mais j'ai perdu mes parents quand j'étais tout petit, j'avais 11 ans quand ils sont morts, donc il me reste très peu de traces d'eux, donc le reste, ben, j'ai réinventé leur vie. Quoi. Mais la villa Jasmin, elle existait, elle portait vraiment ce nom? Non, pas du tout. J'habitais une villa, effectivement, en Tunisie, elle s'appelait pas villa Jasmin, maintenant je suis très content de lui avoir donné un nom. Et puis Villa Couscous, c'était moins vendeur. C'est moi. On a essayé, mais ça ne marchait pas. Alors c'est vrai que vous parlez beaucoup de votre papa, entre autres, dans ce livre. Et d'ailleurs, le Serge Moati du livre, c'est pas le Serge Moati auteur. C'est pas moi. Voilà. C'est pas moi, c'est lui. C'est lui. Enfin, c'est lui. C'est mon père. Moi, je m'appelle Henri. Voilà. Parce que quand mon père était en camp de concentration, il a eu un rêve. Un rabbin est venu le voir et lui a dit « Tu vas t'en sortir », ce qui était hautement improbable en camp de concentration. On ne s'en sortait pas, franchement, souvent. Et tu feras un enfant quand tu sortiras, ça sera un petit garçon, et tu l'appelleras Henri, avec un Y. Avec un Y, parce que ça faisait chic, ça faisait américain, ça faisait libération, etc. Donc je m'appelle Henri T. Henri. Et puis quand j'ai commencé à faire des films, quand j'avais 17 ans, comme ça, je me suis d'abord appelé Serge Henri Moati, puis ça faisait hyper prétentieux. Donc le Henri, hélas, est tombé, il était oublié, mais je le retrouve là, à l'occasion de ce bouquin. Bah, vous avez repris le prénom de votre papa. Ce livre, c'est aussi, si on peut aller jusque-là, l'occasion peut-être de faire le deuil de cette histoire et de cette enfance, avec quand même de l'humour. Par exemple, c'est assez incroyable quand vous dites, je crois que votre papa est décédé la veille de votre anniversaire, c'est ça? Et quand vous dites, quand même, il aurait pu attendre, on aurait fait l'anniversaire, puis il serait mort après. Bah, c'est vrai, il m'a plombé mon anniversaire, il m'a plombé d'ailleurs tous les anniversaires de ma vie, c'est épouvantable, et je lui en veux énormément de ça. Mais c'est un bouquin qui n'est pas un truc de deuil, c'est un truc aussi jubilatoire, où je fais revivre, je rends un hommage à mes parents, et je fais revivre à la fois eux, mes parents, mais aussi tout un pays, toute une culture, voilà. Toute une époque. Et c'est un bouquin pour lequel j'ai pris un immense plaisir à écrire, un immense plaisir. J'espère que ce plaisir, il arrive à se transmettre. Quoi. Bon, savoir, Valérie Mérès, ça a l'air d'avoir apprécié. Mais oui, parce que justement, c'est ce que dit Serge. C'est en même temps, c'est l'histoire d'un petit garçon. Enfin, on retrouve ce petit garçon de 11 ans, en effet, à qui on a plombé son anniversaire, et puis la maman, elle a suivi assez vite. Donc trois mois ça, après. Ça aussi. Moi j'ai mis des coches parce que je trouve qu'il y a plein de trucs magnifiques. La façon dont, justement, après la mort de son papa, à la Villa Jasmin, on a fait semblant de vivre après l'enterrement du 22 août. Nous, oui, maman, non. Elle s'est laissée donc dévorer par un cancer. Elle a préféré rejoindre son mari. Elle a préféré la mort à son petit garçon. C'est magnifique, quoi. Merci, Gérard. Serge Moati est un cinéaste, un écrivain, un journaliste. C'est surtout un conteur. Moi, j'adore lire vos livres en faisant comme vous. Ça me prend beaucoup de temps. Vous êtes capable de parler avec vos mains. Alors moi, je lis comme ça vos livres. Papa est mort, maman est mort. Il devrait y avoir un néon au-dessus du petit garçon qui clignoterait, qui dirait « Papa, ce petit garçon est mort ». Enfin, vous êtes extraordinaire dans la... Je crois dans la passion qui vous anime. Et je suis sensible particulièrement au fait que vous ayez perdu vos parents si jeunes et qu'ils aient été tout au long de votre œuvre que je connais aussi présents. Maintenant, c'est moi qui suis à côté de lui, puisque je les ai fait revivre, et c'est moi qui suis à côté de lui. Je suis plus vieux que l'âge où il est, quand il était mort. Hein. Je suis son père, c'est presque mon enfant maintenant. Mes parents sont presque devenus mes enfants. Et ça, pour moi, c'est formidable d'avoir pu passer ce cap, d'être vivant, d'être là. Et j'espère que de là où ils sont pas trop honteux de moi. Et moi, en tout cas, je suis très fier de les avoir eus comme parents. D'accord, Serge, mais est-ce que... Non, je suis bien, je suis désolé. Mais c'est vous, Serge, parce qu'il y a un avion qui va finir par atterrir si vous continuez comme ça. J'ai eu l'occasion de faire un interview de Serge Moati, je le connais assez bien, et j'avais un micro à la main, et j'étais comme ça pendant tout l'interview. C'était terrible. Isabelle Alonso, vous avez lu La Villa Jasmin? Alors, évidemment, j'ai adoré ce livre, puisque c'est la biographie de gens qui appartiennent à une génération que j'adore, cette génération naïve et magnifique qui s'est tellement battue. Et c'est formidable que vous leur ayez rendu cet hommage. Et j'ai adoré le passage où vous parlez du fait que votre père, à un moment, a honte d'être juif.
juif et que vous avez honte d'avoir honte. Et je crois que ce sentiment-là, la honte d'avoir honte, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont pu partager. Et je trouve que c'est très, très bien rendu dans ce passage-là. Merci beaucoup. Vous savez, c'était... Effectivement, dans les camps de concentration, il est amené là-bas, mais il est arrêté en tant que résistant et en tant que socialiste. Et on ne sait pas qu'il est juif, coup de bol. Et en même temps, je me suis dit, il devait avoir honte. Parce que Moati, pour un SS de Basse-Saxe ou de Poméranie, ça faisait corse, ça faisait italien, on ne savait pas qu'il était juif. Mais j'ai pensé à lui, je me suis dit, et si simplement quelqu'un lui avait dit, baisse ton froc. Et qu'est-ce qui se serait passé si on avait vu son sexe circoncis? Donc je me suis mis complètement dans sa tête. Et moi, je me suis dit qu'il devait avoir honte de ne pas être mort comme ses copains Lévi, comme ses copains Cohen-Adria qui étaient arrêtés en même temps que lui. Et moi, c'est vrai que j'ai senti, mais j'ai inventé ça, j'en sais rien. Peut-être avait-il honte. Et moi, je me dis que moi aussi, j'aurais presque préféré qu'il soit un immense héros. Ah, je suis le fils d'un déporté mort dans les camps. Et non, je suis le fils d'un homme qui en est revenu, mais qui était un type très bien quand même. Donc heureusement qu'il en est revenu. Jean-François Derek. Alors, quand tu prends cet air-là, oui, c'est mal barré pour c'est moi. C'est bizarre. Non. C'est pénible avec vous parce qu'on on peut pas vous critiquer. Hein. Pourquoi? Ah ben alors, qui fait des émissions, c'est les meilleurs. Il fait des bouquins, c'est les meilleurs. Il fait des téléfilms, c'est les meilleurs. On peut pas critiquer. Je me suis dit, il faut quand même que je trouve une faille. Et j'en ai trouvé deux. Ah. Vous dites que vous êtes de gauche. Or, vous avez soutenu Mitterrand. N'est-ce pas contradictoire? C'est vrai que c'est compliqué à expliquer. Bon. C'est tout. La deuxième fois. Alors, on vous a posé une question. Quelle est la qualité que vous préférez chez l'homme? Vous avez répondu la tendresse. Et la qualité chez la femme? Vous avez répondu la tendresse et l'intelligence. Donc, un homme, il suffit qu'il soit tendre, mais complètement con, et ça suffit pour vous plaire. Vous l'avez parfaitement compris. Dernière question avant de vous libérer, Serge Moati. Pendant la dernière campagne présidentielle, je sais... on va en parler parce qu'il y avait... Moi, il y a une image qui me reste, mais j'arrive pas à me rappeler exactement la phrase. Vous êtes devant, je crois, c'est Madame Le Pen et le chien de Jean-Marie Le Pen. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et je dis, mais vous l'avez trouvé comment? Elle me répond... En Grèce, il est mignon, hein? Non, je lui dis non, je parlais de Le Pen. Donc, c'est un énorme gouvernage pour ça. Donc, tu gagnes. Et si vous avez suivi Le Pen, c'est parce que Jospin n'avait pas voulu ouvrir ses portes. Jospin avait fait une exclusivité avec une maison de production qui n'était pas la mienne, ce qui est très étrange d'ailleurs de faire une exclusivité pour une campagne présidentielle. Donc, je n'avais pas pu accéder au sein des saints, c'est-à-dire aux étages supérieurs de la campagne de Jospin. Donc, du coup, intuitivement et parce que je n'avais pas tellement le choix, je suis allé voir Le Pen. Et en même temps, je me disais qu'il se passait quelque chose de fort du côté de Le Pen. C'était bien, bien avant le premier tour. Donc, je suis allé tous les jours, au parc de Montretout, là où il a ses bureaux. Et donc, j'ai filmé beaucoup Le Pen. Et donc, j'étais la seule caméra à être là le 21 avril à 20h, un peu avant 20h, lorsqu'il apprend le résultat. Et il m'a fait confiance, c'est-à-dire qu'il m'a laissé filmer en liberté. Mais quand même, on sympathise pas avec l'homme. C'est très compliqué. Le rapport entre intervieweur et interviewé est un rapport très compliqué. C'est-à-dire qu'on peut à la fois ne pas adhérer à aucune de ses idées, aller rejeter à tout ce que vous voulez, etc. Et en même temps, on ne peut pas vous empêcher parfois de trouver un type sympathique. Ça vous est jamais arrivé? Si, bien sûr. Mais je trouve qu'il faut... Il faut dire ça franchement, c'est très bizarre. On ne peut pas être dans la haine permanente. La haine permanente, pas, d'abord, c'est je peux dire. Si lui, il peut, c'est vous qui pouvez pas. Moi, j'arrive pas. Je trouve la haine détestable. Je déteste haïr. J'adore comprendre. J'adore comprendre des gens et je ne supporte pas quand on rejette, quand on humilie, quand on méprise et qu'on écarte. Je hais haïr, vous pourriez dire. Oui, je hais haïr. On s'est éloigné évidemment du livre Village. Enfin, pas tant que ça. C'est un roman autobiographique publié chez Fayard, signé Serge Moati, que vous retrouvez. Vous retrouverez dimanche prochain sur France 5, c'est absolument. 18h05. Sur Riposte qui en ce moment évidemment rencontre un très grand public et j'en suis particulièrement ravi parce que c'est un espace de liberté. Alors à dimanche sur France 5. À dimanche. Merci. Merci. Au revoir, merci beaucoup. En ce moment, vous le savez, particulièrement aujourd'hui, en France, le climat social est, comment dire, extrêmement tendu. La preuve, c'est que depuis quelques semaines, il ne se passe pas, évidemment, un jour sans que les syndicats ou leurs sympathisants descendent dans les rues pour manifester. C'est la grève partout et pour tous, les retraites, la décentralisation, l'éducation nationale. Les derniers en date, d'ailleurs, à avoir montré les dents, ce sont aussi les éboueurs à Paris. Il faut dire qu'avec toutes ces manifestations, évidemment, ils en ont vraiment marre de laver après le passage des cortèges. Dan Blonder a laissé sa motocrotte au garage. Il a testé pour nous la poubelle anti-grève. Regardez cette caméra cachée par Marcel Bélanger. Dan Blonder, j'ai testé la poubelle anti-grève, réfrigérée, anti-odeur. Et tu me la branches?
Bonjour madame, monsieur. Vous êtes la gardienne de l'immeuble? Oui. Vous savez que nous allons faire grève pendant 15 jours minimum. Voilà, c'est beaucoup. Ben ouais, mais bon, nous on fait grève. Et c'est pourquoi c'est une machine pour détruire le... Non, en fait ce sont des poubelles réfrigérées. Ça va garder les ordures au frais pendant la grève. Oui, mais c'est petit, regardez. Eh ben on va vous en livrer plusieurs, y a pas de problème. Vous voyez, ça évite les problèmes. Et puis il faut la brancher, c'est ça? Alors, faut la brancher chez vous. Voilà, bon bah déjà vous savez... Il y a de la cuisine de l'autre côté, ouais. La petite fenêtre ouais, de l'autre. Ouais, ouais. Ce sont des poubelles réfrigérées pour garder les ordures au frais, parce que nous on fait grève pendant 15 jours minimum. Ah, on peut les mettre dehors. Vous êtes locataire? Non, on a mal. Oui. Ah ben, c'est pas de bol, parce qu'il paraît que c'est vous qui avez payé le courant. On paye pour des gens qui font la grève. Ben ouais, mais attendez, il faut bien qu'on se branche quelque part. Les ordures, ben, il met dehors, comme ça, le gouvernement, il voit quelle merde il en vit, quoi. C'est pas à nous de payer pour des ordures qu'on doit faire réfrigérer, et c'est nous qui payons. Ben ouais, je trouve pas ça normal. Ben oui, mais attendez, c'est le gouvernement qui a mis ça au point, vous voyez. C'est EDF qui doit payer, c'est pas EDF. EDF, non, parce qu'EDF, ils font grève aussi, ils veulent pas. Ah ben nous aussi, on fait grève, on paye pas. Moi, je paierai pas. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Bonjour, monsieur. On vous apporte les poubelles réfrigérées. Poubelles réfrigérées? Ouais. Ce sont des poubelles qui permettent de garder au frais les ordures. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on la branche chez vous, ouais. Chez moi? Ouais. Ah si, parce qu'il faut bien la brancher, monsieur. Ah non, vous la branchez pas chez moi, non? Mais il faut bien la brancher quelque part, ça marche. Sur l'immeuble, mais pas chez moi. Ah, c'est obligatoire, moi. Obligatoire de qui, monsieur? Ah, obligatoire, hein. C'est une poubelle réfrigérée, il faut bien la brancher quelque part. Mais je n'en veux pas, en quel nom je vais vous le dire, monsieur? Mais si, vous avez du courant ici. Je n'en veux pas. Mais ça va durer 15 jours, monsieur. Ça peut durer 6 mois que je m'en fous. Bon, ben, on les branche chez vous. Vous avez une prise multiple ou. Une grosse prise? Par où tu vas la passer, la prise, là? Mais par la fenêtre. Ah, par la fenêtre, je vais garder les fenêtres ouvertes. Bon, il fait chaud en ce moment. S'il pleut, faut les mettre à l'abri, en revanche, parce que ça peut disjoncter. Ouais. Ouais, en raison de plus. Tu vas mettre ça. Et nous, on fait grève, on rend service, on apporte des poubelles réfrigérées. Mais moi, si je vais faire grève, tu vas pas croire que je vais m'amuser de me relever la nuit si jamais un orage ou quoi pour rentrer les poubelles ici. Bah ouais, est-ce que ça peut disjoncter, quoi? Ouais, mais ça, je m'en fous. Elle va passer directement dans la scie sauteuse, là. Qu'est-ce que vous faites, là? Je ramène pas de ta machine. Et ma poubelle anti-grève, alors? Mais je m'en fous de ta poubelle anti-grève. Ce sont des poubelles réfrigérées. Je n'en ai rien à foutre. J'espère que l'ambiance était meilleure aujourd'hui. Dans Paris, dans toutes les grandes villes de France où on manifestait, j'espère que les grévistes et les non-grévistes ont réussi à cohabiter et que l'ambiance n'était pas aussi difficile que lors du tournage d'Anne Bollander. Ben, moi, je trouve que la grève dans les services publics, ça devrait prendre des formes un petit peu plus créatives. Par exemple, la grève du courrier, ça devrait être qu'on peut poster les lettres sans timbre. Des choses comme ça, ça entraînerait une certaine popularité des grèves et moins de réactions des usagers, parce que ce qui est toujours un petit peu ennuyeux, c'est quand les usagers en pâtissent, les usagers qui eux aussi sont dans des situations professionnelles pas forcément simples et pas forcément faciles, quoi. Donc ça, c'est un petit peu... C'est des fausses bonnes idées. Maureen Dorr disait un jour, ce serait formidable si au lieu de faire grève dans les transports, il faisait que les transports soient gratuits. Bah sauf oui. Que ça n'est pas légal et que la grève est légale et pas le fait de laisser passer des gens sans assurance. Mais sois créatif, Gérard. Malheureusement, ça a coûté beaucoup de combats de rendre les grèves légales. Ça a été un combat. Eh bien, on peut peut-être pour rendre d'autres formes de grèves légales. Ça se fait. Ah, bah, c'est Derek. Bien. Moi, il y a des grèves que j'aime bien, contractuelles, impôts. Et il y en a que j'aime moins, EDF et Boer. Et pourquoi c'est toujours celles que j'aime le moins qui se produisent le plus souvent? Alors, il est temps d'agir. On va accueillir sur ce plateau, on va accueillir maintenant quelqu'un qui est membre de la Fédération des usagers des transports et des services publics. Oui, Gérard? Non, juste, excusez-moi, je voudrais juste, parce que j'ai lu le dossier de cette dame, ouais. Donc vous savez à quel point je suis démocrate, je voudrais juste, si vous pouviez, juste mademoiselle, pour que je me rappelle de ne pas m'énerver, voilà, vous gardez juste ça, de temps en temps, je regarderai ça pour... Voilà. Alors, elle appartient à la Fédération des usagers des transports et des services publics. Voici madame Michèle Bonny-Bangari. Alors, Michèle Bonny-Bangari, vous appartenez, vous n'êtes pas la présidente de la fédération, vous êtes membre de cette fédération des usagers des transports et des services publics, c'est-à-dire ceux qui, on va dire, souffrent des grèves des transports en commun, des services publics. Tout à fait. Aujourd'hui, je trouve que c'est tabou, en fait, de revendiquer et de dévoiler ses opinions lorsqu'on ne va pas dans le sens des événements. Et je pense que beaucoup de Français autour de moi et beaucoup de citoyens sont de mon côté et on ne soutient pas cette grève. Je travaille dans le privé depuis l'âge de 17 ans et je trouve injuste que dans le service privé,
notre retraite soit calculée sur nos 25 meilleures années de salaire, à hauteur de 50% de notre salaire, sachant que c'est plafonné au montant de la sécurité sociale qui est de 2 432 euros, et que dans le service public, les employés du service public aient leur retraite calculée sur leurs 6 derniers mois de salaire, et en ayant en plus 75, voire 80% de leurs revenus. Donc, si vous voulez, moi, je trouve que c'est pas juste. Mais ce qui est marrant, c'est que vous êtes anti-grève et vous parlez comme un syndicaliste. Alors, je réclame. Parce que vous ne comprenez pas. Ce que vous ne comprenez pas, c'est pourquoi les fonctionnaires, hein, appelons les choses par leur nom, les fonctionnaires font grève et, alors qu'ils ont de meilleurs avantages que vous. Moi, j'ai l'impression. Mais pourquoi ne faites pas grève avec eux pour avoir les mêmes avantages ? Ah bah, alors je crois que personne n'ose me suivre. Michel. Parce qu'on a une épée d'amoclès au-dessus de la tête. Michel, on peut vous l'expliquer ? Oui. Je trouve absolument injuste qu'en effet, dans le privé, vous soyez pénalisé sur votre retraite et qu'on prenne les 25 dernières années. Je trouve que c'est un véritable scandale. Avant, c'était les 10 dernières années. Bien sûr. Et récemment, c'est passé à 25. Oui. Et je vais vous dire pourquoi on se permet ça avec les gens du privé. Parce que dans le privé, effectivement, quand les gens font grève, les patrons, en général, ont la possibilité de les foutre dehors. Mais oui, exactement. Dans le public, par chance, les gens, lorsqu'ils font grève, ils sont assez soudés et assez solidaires et assez syndiqués pour qu'on les foute pas dehors. Alors... Et ce que je souhaite, c'est que vous ayez les mêmes avantages que dans le public. Ah, bah je souhaite à 100% que vous ayez la sécurité. Mais non, mais je ne taperai pas sur les grévistes parce que justement, les grévistes de l'EDF, les grévistes de la RATP, les grévistes de la SNCF, depuis des années, se sont battus pour ces avantages-là. Moi, je souhaite qu'ils soient étendus. Et un des arguments de madame, c'est de dire je suis exaspéré, par exemple, par les cheminots qui font grève en prévision qu'éventuellement, peut-être, il y aurait un risque que l'on remette en cause leur régime spécial. C'est ça, on en finit ce que vous dites. Oui, mais tout à fait, on n'en finit plus. Quoi. Ce sont des grèves en prévision de... C'est ridicule, quoi. Je trouve ça absolument ridicule. Est-ce qu'il n'y a pas le fait aussi que même en dehors des périodes de grève, les transports en commun ne fonctionnent pas si bien que ça, pas aussi bien qu'on veut nous dire en ce qui concerne les réseaux de banlieue. Du temps où j'ai créé mon comité des usagers de la ligne du RERD, effectivement, je me battais contre l'irrégularité des trains, puisque... Les retards. Les retards. Les trains supprimés. Les trains supprimés, les problèmes techniques. Et puis alors, les mouvements sociaux. Surprise, on ne nous prévenait pas. Donc, quand on prévoyait de mettre 3 quarts d'heure pour aller bosser, on arrivait au bout d'une heure et demie. Et le soir, on ne sait pas si on allait pouvoir rentrer chez nous. Quoi. Là, aujourd'hui, vous avez pu venir facilement ici. Impeccable. Justement, alors par contre, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aujourd'hui durant les grandes grèves, c'est que ça circule très bien. Vous voyez, on va finir par vous dire que vous aimez les jours de grève. Rejoins-nous, Michel. T'as nous, Michel. Viens, nous attendons. Allez, le débat était intéressant. On va remercier Michel Boni-Bandari. Merci, madame. Bonjour. Au revoir. Le 20 mai est sorti le DVD Gérard Lenormand en concert. Un DVD de 2 concerts qui ont eu lieu l'année dernière à l'amphithéâtre de Youth, c'est en Moselle, je crois, et au théâtre Sébastopol, superbe théâtre, à Lille. Gérard Lenormand, c'est impossible de l'oublier, c'est lui qui, dans les années 70, a chanté Michel, voici les clés, ta-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 ta. Et bien sûr, l'indémodable balade... Ah ben, je connais tout par cœur. L'indémodable balade des gens heureux. Il est actuellement en tournée dans toute la France et son nouvel album est en cours d'écriture. Pour tester ensemble le DVD des concerts de Gérard Lenormand, accueillons tout de suite Gérard Lenormand. Bonsoir, bienvenue. Oui, merci. Est-ce que c'est ce genre de DVD où le public chante plus que le chanteur? Non, pas quand même. Ben, c'est vrai que ça chante pas mal, mais ça dépend des chansons. C'est un petit peu ce qu'on vient chercher aussi de la part du public, qu'il participe un peu au spectacle d'une certaine façon, mais j'aime bien aussi équilibrer et présenter d'autres choses. Extrait du DVD, Gérard Lenormand en concert. Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café. Boire un chocolat et puis t'embrasser. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensées tristes. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, moi le gentil dauphin, je n'y comprends rien. Pourquoi tout ce fracas, ce cinéma? Pour un poisson bidon, un requin de carton. Allez, sois chouette, envoie-moi ton ballon.
répertoire, il en manque. Moi, j'adorais Soldat, ne tirez pas, c'est un type qui voulait pas aller à l'armée, c'est ça? C'est ça, c'est un genre de Fanfan la Tulipe qui désertait pour la meilleure cause qu'il puisse être, puisque c'était parce qu'il attendait un enfant. Je pense que moi, je veux tout de suite commencer par rendre hommage pour deux raisons à Gérard Normand. D'abord, parce que je considère que vous avez un des plus beaux prénoms, il faut bien dire de la terre. Et deuxièmement, parce que quelle prémonition politique. On l'a entendu, il a prévu des années avant la nomination de M. Raffarin, puisqu'il a dit « si j'étais président, je nommerais Mickey Premier ministre ». C'est ce qui s'est passé, bravo. Claude Sarraud, j'ai regardé. Oui, bien sûr. Et tu sais, tu dis quelque chose de très juste. J'ai pas dit bonjour à tout le monde et bonjour, je souhaite le faire parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est la moindre des choses. Il dit très justement, dans une interview que tu as donnée... Je voulais vous remercier de nous avoir dit bonjour. Et nous aussi, nous vous disons bonjour, Gérard. Bonjour, Gérard. Claude. Tu dis dans une interview que tu as donnée que c'est les mamans qui chantent ça à leurs gosses maintenant, que les petits-enfants sont élevés par leurs mamans dans le culte de tes chansons. Et c'est pourquoi il y a, pas le dernier, mais l'avant-dernier Olympia, j'avais fait une séquence justement que j'avais appelée « Hommage aux mamans ». Et aux professeurs, puisque ce sont les seuls qui, depuis quelques années, nous permettent d'avoir accès aux tout jeunes. Donc j'ai rendu hommage à toutes les mamans, parce que je trouvais que c'était la moindre des choses, là aussi. Parfait. Isabelle Allongeau. Alors c'est marrant, parce que je trouve que vous ne changez pas. Vous avez toujours ce même regard candide, émerveillé, écarquillé sur le monde, comme c'était ça. C'était le petit prince de la chanson, oui, Gérard Lenormand. C'est marrant, mais il ne change pas. Mais sur scène, il est pareil. Alors moi, vous, c'est soit... Je déteste certaines de vos chansons, comme celle du président de la République, soit, mais j'adore. Et il y en a deux que j'adore par-dessus tout, c'est Michel et Le Gentil Dauphin. Alors ces deux-là, mais je les écoute en boucle. Et Michel, je l'adore, et d'ailleurs, j'ai eu du mal à me faire à votre nouvelle version. Je vais l'écouter plusieurs fois, comme ça je m'habituerai, après peut-être que je trouverai quand même mieux qu'avant. Hein. Non, c'est plus pareil. Michel, non, pas du Michel, tout pareil. Justement, c'est une des rares qui n'est pas tellement changée, parce que c'est difficile au même titre, vous évoquiez tout à l'heure, Soldat ne tirez pas. Pourquoi je la chante plus sur scène? C'est parce que je n'arrive pas à trouver la bonne façon de la faire d'une façon qui me convienne aujourd'hui. Je ne chante pas comme avant, c'est vrai, mais je ne pourrai pas chanter comme avant. Je ne suis plus ce que j'étais et j'espère que demain, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Il y a des chansons, effectivement, dont on peut se lasser. Vous chantez deux fois Le Gentil Dauphin et je suis contente. Je vous promets de vous le mettre en boucle la prochaine fois que vous assisterez à un spectacle. Moi, c'est Michel. Derek. Bien, mon cher Gérard Lenormand, ou peut-être devrais-je vous appeler plutôt Gérard? Jerry Wells. Oh. C'est comme ça qu'il s'appelait au début. Hein. Ouais. Mais c'était parce que... Pourquoi j'ai pris Wells? Parce que j'avais une grande admiration pour Orson Welles et que, bon, je voulais pas m'appeler Orson, ça aurait été un peu trop, peut-être, puis j'avais pas le gabarit. Mais Jerry, parce que c'était proche de Gérard, et Wells, parce que j'avais une profonde admiration pour ce... Gérard Miller, à la base, il voulait s'appeler Sigmund Miller, mais bon, c'est... Non, mais vous plaisantez. C'était pas mal, lui. J'ai découvert un truc, alors parce que je lis beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs, il faudra que j'arrête. J'ai découvert que vous étiez aussi producteur, vous aviez produit Indochine et Imagination. Alors ça, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable, mais vous savez, j'ai fait plein de choses et j'ai un défaut, c'est que je fais les choses relativement discrètement. Un jour, j'ai réalisé que j'avais un staff formidable. J'avais Gilles Paquet qui s'occupait de la presse. J'avais des gens extraordinaires qui s'occupaient de la télévision, etc. Et j'ai dit, c'est un peu ridicule parce que ça se faisait assez facilement, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Encore que je vous remercie, c'est vous qui m'avez appelé pour m'inviter. Et lorsque je n'ai pas d'attaché de presse en ce moment. Alors, merci doublement. Et donc, j'ai trouvé ça même très courageux de votre part. Pourquoi? Et donc, non, non. Et donc j'avais un staff formidable. Mais Laurent, il les connaît tous. Je sais. C'est vrai que je connais. Mais c'est des incontournable, c'est notre époque. Ah. Voilà, c'est notre époque. On était gosses dans les années 70. Et donc, j'avais un staff formidable et je sentais bien quand même que tous ces gens-là travaillaient un peu. Ils n'avaient pas beaucoup de temps à me consacrer, ça se faisait un petit peu tout seul. Et j'ai eu l'idée de produire des gens, j'en ai produit, des filles, des garçons, etc. Et j'ai eu la chance de produire Indochine, de produire Imagination, et puis bien d'autres, mais c'est les deux dont on se souvient le plus. Ça s'est mal terminé avec Indochine, j'ai lu. Hein. Non, pas du tout, ça s'est pas mal terminé, parce qu'avec moi, je refuse toujours de me battre contre un artiste. Ils sont à Bercy, là, Nicolas Serkis. Mais je souhaite beaucoup de plaisir à ces gens. Ils ont fait leur comeback. Même si je pense qu'au niveau de la reconnaissance, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre.
Parfait, c'est voilà. Bien. Alors, je voudrais vous poser une question plus personnelle. J'ai lu dans un journal sur vos goûts et vos passions, et il paraît que vous adorez chier. Alors, Mais non, hein? Mais non, pas chier. Mais non, t'as mal lu, c'est chiner. Ah merde, j'ai oublié une lettre. Oh, putain, mais ah, oui, mais non, vous savez que je trouve ça très pratique quand même aussi. Non, parce que je voulais vous poser des questions, mais ça peut rien avoir. Est-ce que vous aimez chanter en chinant? Je suis un gros chineur, quoi. Revenons aux chansons, parce que moi j'aimerais qu'on chante un peu. Il y a une chanson, vraiment qui est dans toutes les têtes. C'est Voici les clés. Ça, c'est vraiment. Vous la chantez aussi. Voici les clés pour le chaos. Attendez, hop, hop, attendez, malheureux. Regardez, voilà. Ah bon, voilà un micro. On va peut-être même avoir les paroles qui vont s'afficher avec un peu de chance. Ça va, je devrais m'en sortir. On a même la musique qui vous met, nous, non? Et c'est un peu à vous. Voici les clés de ton bonheur. Ne les perds pas sur le pont des soupirs. Elles sont en or, on ne sait jamais. Ça peut servir. La la la, la la la, la la la, la la la. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut. On n'est jamais perdant quand on aime. J'ai mes bouquins et ton petit chien, eux sont contents. Parfait, bravo. La balade de Jojo, juste un petit morceau. On n'a pas Michel, on a Michel. Pour vous faire plaisir. Michel. Bah Michel, a cappella, il n'y a pas besoin de Michel. Michel, a Michel, c'est bien loin tout ça. Pardon. Les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue. Se moque de toi, se moque de moi. Na, na, na. Michel, c'est bien loin tout ça. Voilà. Les rues, oui, il n'y avait pas. On m'a dit que tu t'es marié. Oui, mais c'est le couplet, ça. Moi, je veux bien, mais si vous avez une demi-heure. Gérard Lenormand en concert et en DVD et en tournée. Toujours à travers la France. Oui, en tournée, ben, on démarre le 5, et puis jusque fin octobre. Et nous, on vous promet que si vous revenez avec un nouvel album, eh bien, on aura plaisir à écouter ensemble et à les juger, les critiquer. J'aurais dû vous appeler il y a 2 ans. Ah ben, rendez compte. Ça, c'est con encore. C'est con. Je vais poser une question peut-être plus difficile encore. Est-ce que c'est le changement politique en 1981 qui a fait que certains chanteurs comme vous aient plus ou moins disparu des médias? Vous savez, en 81, j'ai sorti une chanson qui s'appelle « On a volé la rose ». Je sais. C'était con, mais c'est dommage que ça ait été pris par beaucoup de gens. Et bizarrement, j'ai rencontré Mitterrand plusieurs reprises et Jack Lang qui m'ont félicité pour cette chanson. En me disant que cette chanson, vue de moi-même, a été justifiée. J'étais le petit prince de la chanson, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je disais dans cette chanson? Que c'était dommage qu'un symbole, la rose en l'occurrence, qui est le symbole des symboles sur la Terre, n'est-ce pas, soit réduit à un symbole politique. Mais j'ai eu envie de le traduire, et moi je suis quelqu'un d'honnête. Je sens quelque chose très fort, j'ai envie de le traduire, et rien ne peut m'empêcher d'être ce que je suis. Et j'ai osé le faire. Je vais vous dire, Gérard. Moi, je ne le regrette pas, en aucun cas. Moi qui suis de gauche et qui me réjouis quand la gauche est au pouvoir, je trouve que c'est une des choses les plus lamentables que des gens comme vous, ou même des gens à la télévision comme Daniel Gilbert et d'autres, aient eu à subir le fait que la gauche arrive au pouvoir. Je pense qu'elle est devenue aujourd'hui assez intelligente pour que ça ne se reproduise pas. Et vraiment, je trouve pitoyable que sous prétexte que, peu importe vos opinions politiques, à un moment donné, vous chantez quelque chose qui ne convienne pas, mais à qui? À mon avis, pas aux politiques, mais aux larbins qui étaient dans les télévisions et qui, chaque fois qu'il y a un changement politique, se disent « Oh là là, je vais me couvrir en empêchant telle personne de chanter ». Exactement, c'est honteux. Il y a des émissions de télé, par exemple, qui m'ont demandé de changer le titre. J'ai dit « Non, c'est mon titre actuel, je le défends, je le défendrai jusqu'au bout ». C'est ce que j'ai fait, mais on m'en a voulu. Parfait, Gérard Lenormand sur son DVD. Vous restez avec nous encore quelques minutes, le temps du qui a dit quoi. Première déclaration à vous de démarrer. Qui a dit nous pouvons avoir des désaccords, mais cela ne veut pas dire que nous devons être désagréables l'un envers l'autre. Bush, bravo Gérard Lenormand, bravo Jean-François Derek. On l'a dit ensemble. Très peu après, mais tu sais. À mon avis, bien un dixième de seconde après. Quand oui, même. Mais c'est la différence qui entre le champion un dixième de Bush après. Je ne suis pas entré dans la villa pour niquer. C'est Jean-Pascal. Jean-Pascal, bravo Valérie Mérès. Et ça, Starac, tout ça, vous en pensez quoi, Gérard Lenormand?
Ça existe. Ça existe. Ok, autre qui a dit quoi? Coluche, un mec qui a besoin d'un faux nez, d'une salopette pour faire rire, c'est pas bon signe. C'est un gros con. Quelqu'un de consensuel. Hein, ouais, c'est dans un livre. Non, je suis intéressé par ce qu'il voulait dire. C'est un gros con, c'est un nul. Est-ce que c'est un type qui est mort? C'est un type qui est mort. Jean-Yann. C'est Jean-Yann, bravo Isabelle Allonge. Ouais, mais bon, Jean-Yann, non. C'était dans un contexte, ouais, probablement, parce que... Arrêtez, il y a un côté gros con. C'est incroyable que quand quelqu'un meurt, on a du respect pour lui et pour sa famille, et que tout le monde dit, oh, c'était un saint. C'est pas vrai, c'était un type qui avait un aspect gros con et un génie. Et qui disait des conneries et qui a fait des conneries, sûrement. Mais là, en l'occurrence, je pense pas qu'il aimait pas Coluche. Ah, d'accord. Voilà, point. Allez, Gérard Lenormand, merci d'être venu nous voir en concert et en DVD, et en concert à travers la France, sur scène, en live, comme on dit aujourd'hui. Merci Gérard Lenormand. Merci à vous. Thank you.